Revue.org maintenant, voilà la page d'accueil de la plateforme Revue.org où vous pouvez trouver environ 400 revues, un peu plus de 400 revues de sciences humaines et sociales qui sont diffusées sur la plateforme, ce qui représente 120 000 articles en libre accès. La chose importante, il y a plusieurs choses importantes pour cette plateforme, mais il faut savoir que la plateforme Revue.org a un conseil scientifique qui demande, lorsqu'une revue cherche à rejoindre la plateforme, qui demande à la revue de construire un dossier et qui soumet la candidature de la nouvelle revue qui souhaite rejoindre la plateforme à une expertise scientifique. Et même aujourd'hui, nous avons deux expertises scientifiques pour chaque candidature. Ceci est important parce que ça signifie que les revues qui sont sur la plateforme satisfont à un certain nombre de critères de qualité scientifique et éditoriale qui sont nécessaires pour entrer sur la plateforme. Ce qui signifie qu'en fait, il n'y a pas tout et n'importe quoi sur cette plateforme, mais que c'est aussi un label de qualité. Alors voilà des exemples qui vous montrent que bien que nous sommes une plateforme basée en France, bien que nos institutions soient françaises, en réalité, depuis plusieurs années maintenant, nous cherchons à être de plus en plus internationaux, à avoir une internationalisation de nos plateformes, et nous cherchons activement à accueillir des contenus, des revues, des livres, des blogs, j'y reviendrai, qui viennent d'autres pays, qui sont édités dans d'autres langues que le français, parce que une de nos motivations maintenant, c'est de construire des plateformes qui soient internationales et surtout multilingues, c'est-à-dire qui accueillent plusieurs langues, parce que nous pensons que le multilinguisme a un sens particulier et particulièrement important, en particulier dans les sciences humaines et sociales. Alors voilà un exemple, China Perspective, qui est une revue en anglais. Mais voilà un autre exemple, Insania, qui est une revue algérienne, qui publie en français, mais aussi avec des articles en arabe, par exemple, pour vous indiquer cet engagement pour le multilinguisme que nous avons. Et voilà, par exemple, cette revue qui est en portugais, qui est une des revues, une des premières revues à nous avoir rejoint depuis le Portugal, grâce à notre programme des Open Edition, dont j'ai parlé précédemment, et grâce à notre partenariat avec la Fondation Gulbenkian. Alors maintenant, dans le monde hispanique, voilà Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, qui est une des plus anciennes revues sur revue.org, et qui est une revue française, hein, qui est éditée par un centre de recherche de l'EHESS, mais qui est une revue qui publie dans plusieurs langues, et bien sûr beaucoup en espagnol, et qui traite évidemment en anthropologie, en histoire essentiellement, de l'Amérique latine. Police. C'est un autre exemple, c'est une revue chilienne cette fois-ci de sciences politiques, donc qui vous montre aussi que ce mouvement d'internationalisation, et en particulier en direction du monde hispanique, fonctionne et qu'il y a un certain nombre de revues, un certain nombre de publications qui nous rejoignent en provenance des pays d'Amérique latine. Et puis voici Trace, qui est une revue du CENCA, hein, le Centre d'études mexicaines et centra-américaines, qui, si je ne me trompe, fait partie de votre réseau. Donc voilà trois exemples, hein, de revues en espagnol, on va dire, mais avec des origines différentes et qui sont bien dans le champ dont on parle et pertinentes pour le revue. Voilà une présentation maintenant de la répartition disciplinaire par discipline des revues que l'on trouve sur revue.org. Et vous voyez que, un peu comme ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire que les historiens ont été très importants dans la naissance d'Isidore, et bien dans la naissance de revue.org, les historiens ont aussi été très importants. Et vous voyez donc cette prédominance des disciplines historiques, archéologiques, en sociologie, en anthropologie, mais aussi dans d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, comme les arts et les humanités, avec une répartition qui est assez fortement marquée. Je dois dire, ça n'apparaît pas ici sur ce graphique, mais je dois dire que nous avons énormément de revues qui sont ce qu'on appelle en français des revues d'aire géographique, c'est-à-dire des revues dont l'objet de recherche n'est pas une discipline, mais une aire linguistique ou une aire culturelle, et qui du coup sont des revues multidisciplinaires qui vont accueillir des articles venant d'anthropologues, de linguistes, d'historiens, d'études de civilisation, pour explorer une ère culturelle particulière. Et ça, nous en avons beaucoup, en particulier sur l'Amérique du Sud. J'ai regardé juste avant de faire ma présentation, dans notre catalogue de revues, nous avons aujourd'hui plus de 20 revues qui traitent de l'Amérique du Sud à proprement parler.
Je vais vous parler maintenant de Calenda, qui est la seconde plateforme. Alors très rapidement, parce que je sais que c'est pas l'objet essentiel, mais je vais quand même vous présenter un peu le système, enfin l'environnement dans sa diversité. Donc vous voyez ici, par exemple, la page d'accueil de Calenda, qui vous montre les différentes annonces d'événements scientifiques qui sont publiées sur la plateforme. Donc tout organisateur, toute personne qui organise un événement scientifique, en quelques langues que ce soit, et dans quelques pays que ce soit, peut déclarer son événement sur Calenda librement, et cet événement sera publié et sera diffusé dans le monde entier. Donc vous voyez que depuis 2000, 25 000 événements scientifiques ont été enregistrés sur Calenda. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Calenda garde la mémoire de ces événements. C'est-à-dire que nous avons tous les colloques, tous les séminaires qui ont été déclarés sur la plateforme depuis 2000, ce qui permet aussi de faire un peu un historique des sciences sociales par l'intermédiaire des séminaires et des colloques. Chaque séminaire, chaque colloque qui est déclaré sur Calenda, vous avez le programme complet. C'est une condition pour déclarer son événement. Donc vous avez le programme complet avec tous les intervenants qui sont là. Hypothèse maintenant, je vais très vite parce que ce sont des plateformes qui ne sont pas au centre de nos discussions ici, mais je vous montre quand même un petit peu. Pour vous montrer que, hypothèse, vous avez ici la page d'accueil de la plateforme qui met en avant, qui met à la une, les billets, donc les courts articles qui ont été publiés sur les blogs qui sont sur la plateforme, et ce sont les billets qui sont les plus intéressants. Alors qui décide que ce sont les plus intéressants? Là encore, c'est un comité scientifique, un conseil scientifique. Donc il y a un conseil scientifique pour revue.org et il y a un conseil scientifique pour Hypothèse qui fait une sélection des meilleurs billets sur la plateforme Hypothèse. Donc voilà ici quelques informations sur la plateforme Hypothèse qui, comme je vous le disais, est une des plus, sans doute la plus dynamique aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui entre 2 et 3 candidatures pour des nouveaux blogs par jour sur la plateforme. Donc la progression est vraiment très très importante parce qu'il y a une adoption très forte dans la communauté scientifique de ce type de communication qui n'est pas de la publication, c'est autre chose que des revues, c'est autre chose que des livres, c'est ce que nous appelons en français de la communication scientifique directe par lequel les équipes de recherche diffusent de l'information sur ce qu'ils sont en train de faire. Et la fréquentation est très importante puisque nous avons environ 1 million de visites aussi par mois sur la plateforme. Alors, il y a toutes sortes de blogs sur Hypothèse. Je mentionne simplement le fait qu'il y a aussi des revues qui ouvrent leurs blogs sur Hypothèse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des revues qui ont le site de la revue d'un côté, sur lequel les articles sont publiés. Et de l'autre côté, sur Hypothèse, vous avez le blog sur lequel toutes sortes d'informations scientifiques qui sont liées à la revue peuvent être aussi diffusées, comme des appels à contribution, mais aussi des discussions, parce qu'on peut poster des commentaires sur un blog, par exemple, mais aussi des annonces d'événements, de la veille scientifique sur le sujet dont traite la revue. L'exemple de la revue Americae est très intéressant, parce que c'est une revue qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous le savez comme moi, pour créer une nouvelle revue, il faut travailler plusieurs années avant que la revue commence à exister. Et donc, nous proposons aux collectifs scientifiques, aux scientifiques qui créent des revues, de créer tout de suite le blog de la revue, du projet de revue, pour commencer à faire de la publicité pour ce projet, en quelque sorte, pour avoir des contacts, pour dire ce qu'ils sont en train de faire, ce qui leur permet aussi d'attendre et de donner de la visibilité au travail de préparation, de création d'une nouvelle revue. Et c'est le cas de la revue Americae, qui est une revue d'archéologie sud-américaine. Alors, la communauté Hypothèse est très multilingue et donc nous avons organisé chaque zone linguistique. Donc chaque zone linguistique dans Hypothèse a son propre comité scientifique. Donc la communauté germanophone a son propre comité scientifique et a son propre portail qui recense les billets en allemand publiés sur la plateforme. Et bien sûr, pour l'espagnol, nous avons fait la même chose grâce à un partenariat avec l'UNED, l'Université d'enseignement à distance de Madrid, qui a organisé son comité scientifique. Et il y a aujourd'hui 24 blogs entièrement en espagnol sur la plateforme, avec un portail, avec son comité scientifique et son autonomie. Je vous parle très rapidement de Open Edition Books, qui est la quatrième plateforme, pour vous dire que, pour vous la montrer d'abord, voilà la page d'accueil de Open Edition Books. Vous voyez que
on peut, y a un moteur de recherche qui permet de sélectionner les livres qui sont publiés par discipline, par langue, par éditeur et ainsi de suite. Et qu'aujourd'hui, nous avons 38, non plus 37, mais aujourd'hui 38 éditeurs, maisons d'édition, presse universitaire, qui travaillent avec nous pour diffuser des parties de leur catalogue de livres sur Open Edition Books. Alors dans ces institutions, il y en a que vous connaissez, comme par exemple l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine, qui est une des institutions de recherche, un des centres de recherche qui nous a instituts de recherche qui nous ont rejoint assez tôt pour diffuser leur collection de livres en libre accès sur la plateforme Open Edition Books. Et nous avons des éditeurs qui ne sont pas seulement français, nous en avons de plus en plus qui viennent de tous les pays du monde. Alors nous avons beaucoup les instituts français de recherche à l'étranger, comme par exemple l'Institut d'études andines, comme par exemple le SEMCA, le Centre d'études mexicaines et centra-américaines. Mais nous sommes par exemple en discussion avancée avec des éditeurs en Argentine, en Colombie et dans d'autres pays pour rejoindre notre plateforme. Alors, en ce qui concerne les revues, je reviens maintenant sur revues.org, mais ça concerne aussi les livres, donc ça marche pour les deux. Je vais vous parler de manière un peu plus technique, des formats de lecture que nous proposons. Vous savez, comme moi, que beaucoup de revues en ligne aujourd'hui dans le monde, et beaucoup de livres en ligne aujourd'hui dans le monde, sont distribués uniquement au format PDF. Notre choix a été de multiplier les formats de lecture et de proposer les mêmes contenus dans différents formats parce que nous pensons que les usages sont différents. Donc en particulier, tous nos contenus sont disponibles en HTML. C'est très important pour nous, le HTML, parce que c'est le format du web. Et c'est là que sont les usages et le fait d'avoir des contenus qui sont disponibles sous forme de page web, article par article ou chapitre de livre par chapitre de livre, améliore leur visibilité, leur indexation, améliore la capacité d'utiliser ces contenus, c'est-à-dire de faire des copier-coller pour faire des citations, le fait d'enregistrer, des tas de choses comme ça, et surtout améliore l'accessibilité. Parce que parfois, quand vous avez un très vieil ordinateur dans un pays qui n'a pas de bonnes infrastructures, avec une très mauvaise connexion Internet, lorsque vous voulez télécharger le fichier PDF et l'ouvrir sur votre vieil ordinateur avec votre mauvaise connexion Internet, ben vous ne pouvez pas. Par contre, vous pouvez toujours afficher une page HTML, parce qu'il suffit d'avoir un ordinateur très simple, avec juste un navigateur web, et là vous afficherez toujours une page web. Ça c'est très facile. Et donc du coup, tout le monde a accès au contenu. Donc l'open access, c'est pas seulement une question de payer ou pas payer pour avoir accès au contenu, c'est aussi le fait que le contenu soit accessible quelles que soient les conditions techniques du lecteur. Mais en même temps, évidemment, il y a d'autres formats qui sont plus pratiques. Donc tous nos contenus sont disponibles en HTML, mais aussi en PDF, évidemment, parce que c'est très utile aussi, et aussi en EPUB. EPUB étant le nouveau format qui permet de lire plus confortablement les contenus sur les iPhones comme ça, ou sur les tablettes, sur les iPads et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on sait que les lecteurs, ils sont partout. Ils accèdent au contenu par un ordinateur, par un iPhone, par un iPad, par une tablette, par un Kobo. Et il est important qu'ils puissent avoir accès au contenu par ces différents moyens. Donc on offre tous les contenus, tous les formats. Alors je finis maintenant avec, je ne sais pas où j'en suis en fait, si j'ai encore un peu de temps, oui. Je finis maintenant avec le modèle économique dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que nous sommes engagés en faveur de l'open access. Mais lorsqu'on dit à un éditeur, lorsqu'on dit à une revue, diffusez votre revue, diffusez vos livres en libre accès. Ils nous disent, ah oui, c'est super, c'est très bien, mais comment je fais pour vivre, moi? Quel est mon modèle économique? Alors, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup expérimenté, on a beaucoup regardé ce qui se passait autour de nous pour essayer de voir si on pouvait créer un modèle économique spécifique pour le libre accès. Et ce modèle économique, chez nous, s'appelle Open Edition Freemium. À quoi il sert? Il sert à financer l'édition d'abord, pour une grande part, et pour une petite part, il sert à financer les services que nous développons, en particulier en direction des bibliothèques dont je vais vous parler. Ce modèle freemium, le mot freemium, c'est la contraction de free et premium. D'accord? Donc c'est un mot porte-manteau qui fait la contraction entre les deux, avec une partie qui est libre et une partie qui est premium, c'est-à-dire payante. Ce modèle, vous le connaissez parce qu'il est très fréquent dans le monde numérique.
Alors, ici, j'ai l'exemple de Skype, mais ce n'est pas un bon exemple parce que Skype a laissé tomber son modèle freemium récemment. Mais jusqu'à récemment, Skype était un modèle freemium où, par exemple, vous aviez des fonctions de base qui étaient gratuites. Et puis, si vous vouliez avoir de la vidéo à 3 ou 4 personnes, il fallait payer. Ou si vous vouliez avoir des services particuliers, il fallait payer. Bon, Skype a abandonné pour d'autres raisons, donc ce n'est plus un bon exemple. Mais vous en avez plein qui sont freemium. Dropbox, par exemple. Vous avez tout un tas de services qui sont freemium. Toutes les applications sur les smartphones sont freemium souvent, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est gratuit et si vous voulez quelque chose de plus, là il faut payer. Ben, c'est le même principe. Alors on s'est dit, bon, on va adopter le freemium, mais comment est-ce qu'on va faire ? Le principe qu'on applique est simple. Le HTML du contenu est en libre accès, pour les raisons que j'ai dites. Parce que c'est l'accès au contenu. Mais par contre, nous proposons des services à valeur ajoutée, premium, en particulier pour les bibliothèques universitaires, qui génèrent des revenus, qui génèrent de l'argent, que l'on donne ensuite aux éditeurs. Alors comment est-ce que ça marche ? Ben, tout simplement, les revues qui sont freemium, ce sont des revues dont le HTML est en libre accès, mais si le lecteur veut télécharger le fichier PDF ou le fichier EPUB, alors là c'est payant. Donc, outre ce service, nous offrons aux bibliothèques tout un tas de services à valeur ajoutée, comme par exemple le fait de pouvoir nourrir leur catalogue automatiquement, le fait d'avoir des statistiques de fréquentation particulières, comme le fait d'avoir d'autres services que nous proposons aux bibliothèques pour qu'elles s'abonnent à ces revenus freemium, ce qui génère des revenus que nous reversons ensuite aux éditeurs de revues. D'accord ? Donc le modèle freemium, nous l'appliquons aux revues et nous l'appliquons aux livres. Alors, nous avons commencé pour les revues en faisant un bouquet de 100 revues freemium. Donc sur nos 400 revues, les revues peuvent choisir leur modèle économique. Nous avons des revues qui sont full open access, pas freemium du tout. Tout est en libre accès. Nous avons des revues qui ont une barrière mobile, un embargo. Et puis, nous avons 100 revues qui ont choisi ce modèle freemium que nous commercialisons auprès des bibliothèques. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 100 bibliothèques dans le monde qui sont abonnées aux 100 revues freemium, ce qui génère des revenus que nous reversons ensuite aux revues. Donc ça signifie que, par exemple, les utilisateurs, les lecteurs qui sont dans la bibliothèque peuvent télécharger les PDF et les fichiers PDF et les fichiers EPUB de ces revues gratuitement parce que la bibliothèque a pris l'abonnement à la revue. Ça va, c'est clair, c'est OK. Nous faisons la même chose pour les livres selon des modalités qui sont un peu différentes mais sur lesquelles je reviendrai si vous avez des questions. Et donc ça signifie que certains des livres qui sont, la plupart même, 70% des livres qui sont diffusés sur Open Edition Books sont en freemium, HTML en libre accès et les fichiers PDF et EPUB sont payants. Voilà, donc l'idée, si vous voulez, c'est que Open Edition Freemium, pour les livres et les revues, c'est un modèle économique soutenable pour le libre accès, qui permet de générer des revenus pour les éditeurs de contenu en libre accès et les encourager à faire encore plus de libre accès. L'idée qu'il y a derrière, si vous voulez, c'est que il y a un engagement de notre part pour le libre accès et pour ce que nous appelons la bibliodiversité. La bibliodiversité, c'est une diversité de langues pour l'édition de contenu en sciences humaines et sociales, mais aussi une diversité d'éditeurs. Le fait que toutes les institutions, les maisons d'édition qui souhaitent publier des livres, qu'elles soient grandes ou petites, eh bien, il faut les aider à diffuser leur contenu. Parce que si vous avez des institutions qui sont très spécialisées, évidemment elles sont petites, mais elles sont très spécialisées, elles n'ont pas beaucoup de lecteurs, mais c'est très important qu'elles puissent être disponibles sur Internet. Parce qu'il y a toujours des lecteurs qui sont intéressés. Voilà, en gros c'était ça ma présentation. Je vous remercie.